T'es gamer? T'es là? Oh la vache, la luminosité ici! C'est pas du tout ça! Son épée n'est plus là. Il n'est pas là. Bizarre, bizarre. Tiens, qu'est-ce que c'est? Ah la vache, il a atteint 300 abonnés? Et en plus de ça, il est sorti alors qu'il vient de les atteindre. Bon, bah puisque c'est comme ça, bah... on va faire sa vidéo à sa place, quoi. Le 17 novembre 2020 sera une date importante pour cette chaîne. En effet, elle représente le passage au cap des 300 abonnés. Un cap qui n'a pas pris longtemps à passer comparé à mon cap des 100 abonnés ou à mes 200 abonnés passés précédemment, qui m'ont pris 1 ou 2 ans pour passer. Et c'est pour ça que je vous en remercie. C'est grâce à vous que cette chaîne se fait connaître de plus en plus. Certes, à une vitesse d'escargot, mais cela reste quand même un début. Est-ce que vous vous rappelez du moment dans une de mes vidéos où je vous avais annoncé si jamais on atteignait les 300 abonnés avant le nouvel an? Non? Pourtant, je n'ai fait que de répéter ceci. Vraiment pas? Et si je vous mets ce bruit? Ah merde, oui, je suis con. Vous pouvez pas me répondre, on n'est pas en discussion vocale. PTDR. Bon, alors voici ce que je vous avais dit pour ceux qui s'en rappellent pas. Si ma chaîne dépassait le cap des 300 abos avant le 31 décembre 2020 à 23h, 59 minutes, 59 secondes, 59 millièmes et 59 poils de cul... Bon, ok, le poil de cul était pas nécessaire, on s'en fout. Je faisais passer mon serveur Discord en serveur communautaire et donc vous donnant complètement accès à ce serveur. Sauf les droits d'admin, PTDR. Alors, je tenais à vous le faire rappeler, mais j'avais déjà partagé le lien de ce serveur sur ma chaîne Twitch. Et que franchement, vous aurez pu faire un effort si vous arriviez pas à attendre. Hein. Bon, c'est pas grave, on est là du coup pour mon serveur. Donc oui, voici le moment tant attendu par la plupart d'entre vous, puisque vous étiez... à me demander si j'avais un serveur Discord. Je vous avais pourtant répondu oui, et qu'il était sur ma chaîne Twitch. Mais la plupart d'entre vous ne voulaient pas parce qu'ils ne savaient pas créer un compte Twitch alors que vous avez créé un compte Google pour vous abonner à cette chaîne et que c'est complètement con parce que Twitch est gratos pour créer un compte, bref. Voici donc un petit tuto pour rejoindre mon serveur Discord. Oui, alors pourquoi un tuto alors que vous savez déjà comment faire? Parce que mon serveur n'est pas facile d'accès et je vais vous l'expliquer dans cette vidéo. Donc du coup, commençons par le commencement. Alors déjà, tout d'abord, il va falloir que vous vous créez un compte Discord, si ce n'est pas déjà fait. Alors pour cela, je vais pas pouvoir vous le montrer parce que je suis déjà connecté à mon compte Discord et que j'ai un petit peu la flemme de me déconnecter. Mais vous aurez juste à taper discord.com et puis vous, vous retrouverez du coup la fameuse page du site du coup, qui est juste là. Et vous aurez juste à créer sur se connecter ou créer un compte et puis vous aurez juste à faire. Dès que vous aurez créé un compte ou si c'est déjà fait, vous avez juste à cliquer sur ce petit logo là, le petit logo de Discord qui se trouve sur ma page, sur la page d'accueil de ma chaîne YouTube. Une fois que vous aurez cliqué sur le petit logo, vous serez directement redirigé sur Discord. Bon, là, je suis déjà sur le serveur, donc forcément, ça me dit ça. Et que du coup, bah, je suis sur Discord. Bref, vous serez directement redirigé sur Discord, sur mon serveur Discord, à partir de cet instant. Vous voici donc sur mon serveur. Donc là, bah, forcément, je suis l'administrateur, donc forcément, vous voyez tous les salons qu'il y a. Mais quand vous serez sur le serveur, vous n'aurez qu'accès à ce salon. Normalement, si je dis pas de bêtises, il y a encore quelques tests à faire, il y a encore quelques petits réglages à régler. C'est... Oui, des réglages à régler, oui, pourquoi pas. Mais vous inquiétez pas, le serveur sera opérationnel dans très peu de temps. Donc une fois que vous serez arrivé sur ce serveur, vous aurez accès à ce salon, qui s'appelle tout simplement les règles. Les règles est le salon le plus important de tout ce protocole d'accès. Il faudra impérativement que vous lisez ces règles, parce que si vous ne les lisez pas et que vous faites une fraude, vous serez... directement banni, voire kick. Vous serez directement kick et si ça se répète, vous serez banni. Donc je vous conseille de bien lire les règles. À l'avenir, il y aura bien évidemment un système de war, mais il est en cours de construction pour l'instant, donc ça reste encore en travaux. Bon, une fois que vous aurez lu ces règles, afin de pouvoir accéder au salon, vous aurez juste à tout simplement cocher la réaction ci-dessus. Comme ceci. Et vous pourrez avoir accès à tous les autres salons, comme par exemple celui-là, donc le salon général, citation et compagnie.
Ah oui, pardon, j'avais oublié. Le serveur est muni de deux sécurités. De une, il vous faudra impérativement un compte vérifié. Si vous n'avez pas de compte vérifié, vous ne pourrez jamais parler sur ce serveur. À partir de là, bah, vous pourrez juste vous amuser sur le salon et éviter d'enfreindre les règles. Pour l'instant, parce que les sanctions sont encore beaucoup trop fortes. Donc si vous voulez éviter de vous faire ban dès la première seconde, respectez juste les règles jusqu'à temps que la sanction soit plus adoucie. Bref, petit tuto, assez simple. Mais vous vous demandez sûrement pourquoi ai-je décidé de mettre autant de sécurité sur ce serveur. Alors tout simplement parce que j'avais déjà créé un serveur communauté à l'avenir. Sauf que le problème, ce serveur a été fermé. Suite à un énorme raid de hackers qui ont fini par prendre le contrôle du serveur et qui ont fini par fermer le serveur, comme je vous l'ai dit. Et étant donné que ce serveur était mon premier serveur communautaire, était mon deuxième serveur communautaire et que j'avais pas envie que cette situation se reproduise, voici ce qui s'est passé. En plus d'avoir une grosse équipe de modération que vous pouvez voir juste là, qui m'aideront à gérer le serveur au cas où si... un jour, ça tourne mal. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors, c'était certes une vidéo assez courte, mais je voulais juste vous remercier de base pour avoir atteint les 300 abonnés. Concernant la vidéo best-of, bah, comme vous l'avez pu le voir, maintenant, ça sera sous forme de best-of Twitch. Il y en a d'ailleurs un qui est en préparation, justement. Mais avant cela, il y a une vidéo Roblox qui est censée sortir et elle est quand même assez drôle. Je vous invite quand même à aller la voir, même si vous n'êtes pas fan de ce jeu. Je vous invite quand même à aller la voir, vous pouvez vous taper de bonnes barres. Concernant le serveur Discord, j'espère qu'en tout cas cette annonce officielle de mon serveur public vous aura plu. Parce que ça fait quand même un bon bout de temps que vous me l'avez, que vous me le réclamez. De même pour cette vidéo, si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Il y a la description et un paquet d'informations. Vous pouvez également y retrouver le lien du serveur Discord. Je le mets dans la description au cas où que vous auriez la flemme de faire un gros chemin dans la page d'accueil de ma chaîne, hein, et bouger votre bras comme ça jusqu'à atteindre le fameux bouton pour le lien du serveur Discord. Oui, c'est beaucoup trop long. Mon Dieu, que l'être humain est feignant. Donc, le serveur Discord sera également dans la description et il sera également disponible sur toutes mes autres vidéos. Vous pourrez également y retrouver ma chaîne Twitch où je fais des streams où je veux, quand je veux, avec qui je veux. Je préviens presque toujours. Je dis bien presque toujours maintenant. Parce qu'étant donné que maintenant, j'ai officiellement mis en public mon serveur Discord, toutes les annonces de mes lives seront prévenues sur ce serveur. Donc, je vous invite vraiment à rejoindre ce serveur parce que je suis beaucoup actif et que si jamais il se peut qu'un jour, au cas où, mais si un jour j'ai par exemple un nouveau problème de PC ou un problème personnel ou quelque chose comme ça, vous serez directement prévenu sur ce serveur en plus de pouvoir discuter avec moi et les autres youtubeurs qui seront sur le serveur, les modos, les autres abonnés. Bref, j'ai tapé dans le micro encore une fois. Je crois que ça va être la troisième fois pendant cette année 2020. Au bout d'un moment, j'en ferai une compilation, les gens. Allez, 50 pouces bleus et je fais une compilation de tous mes moments où je tape dans mon micro. Je pense que ce sera tout, du coup. Je pense que c'est tout ce que j'avais à vous dire. Ah si, vous pourrez également y retrouver ma chaîne secondaire. D'ailleurs, comme vous avez pu le voir sur la page d'accueil de ma chaîne, j'ai mis en avance une vidéo provenant de cette chaîne que j'ai postée récemment où je vous parle enfin de cette fameuse web-série. Où est-ce qu'elle en est? Je vous invite impérativement à aller la voir. Je vous la mets d'ailleurs en fin de vidéo si ça vous intéresse. Parce que ça va faire aussi un an que je parle de cette fameuse web-série et que vous attendiez justement cette fameuse vidéo explication, la voilà enfin. Je vous explique enfin la web-série. Bon, assez mystérieusement parce que j'ai pas envie de vous spoil. Mais franchement, allez la voir. Et sur ce, je vous dis à sur mon serveur Discord et à une prochaine vidéo. D'ici là, c'était... Je sais plus parler. C'était des Gamers France qui vous dit à la Stavista. Salut tout le monde!